C'est un de mes Zelda préférés. Ok? C'est un de mes Zelda préférés. C'est un de mes jeux Game Boy préférés. Il y a des gens qui adorent Pokémon et tout, mais selon moi, le plus gros jeu sur Game Boy, c'est ce jeu-là. C'est le jeu le plus impressionnant. Oh! Vrai gamer. Toe Blake! Merci beaucoup pour ton summon, t'as rendu un vrai gamer! Très apprécié, merci beaucoup, mon homme. Oh! Gab, merci beaucoup pour les 100 bits! Très apprécié! Merci beaucoup, mon homme. Est-ce assez fort, le son? Bien le bonsoir, Névrose et Pog. Bonsoir. Tellement un bon Zelda. Salut, Frank. Après, je suis hype. C'est un de mes Zelda préférés, puis j'avais acheté le jeu sur Switch, puis je l'ai jamais fait, man. Puis là, ça se passe cet été, genre. Check la waifu. Dites-moi, il y a du monde qui s'excite là-dessus. J'ai joué au DreamHack en 2019. Ouais, moi aussi, j'ai joué à la démo, c'était vraiment nice. J'ai raison. Oui, le jeu est malade. Je l'ai fini au complet. Le seul Zelda que j'ai fait sur Switch. Comment tu vas, mon cher? Je vais numéro 1, Frank. Moi, je suis content. Excellent choix. Bon, parlez-moi de ça. Regardez-moi ça, le bruit. Pareil comme mon Game Boy. Zelda, c'est toujours winner. Ben, c'est pas tout le monde qui aime ça. Mode normal, mode héroïque. En mode héroïque, les dégâts que tu subis sont doublés. Et aucun cœur n'apparaît. Pour les joueurs confirmés. Joueur normal, j'ai juste envie de redécouvrir. T'as jamais joué? Mais moi, j'ai joué au Game Boy à l'époque. Lapin Barbu, merci beaucoup pour les 100 bits! Très apprécié! J'y joue au Game Boy! Ok, guys, on va quand même dire que c'est grâce à moi que ce jeu est là à soir vu sur J'ai donné mon choix à caca. Exactement. Lapin a donné son choix à caca. Ben, il a redonné le vote. C'est tombé sur Catherine. Link, parfait. Héroïque? Non, je veux juste jouer en normal. J'ai envie de redécouvrir le jeu. Que j'ai découvert Zelda avec Breath of the Wild, fait que je suis pas encore vendu sur les anciennes versions. Pour vrai? Ah, il revient à lui. Enfin, j'ai cru que tu n'allais jamais te réveiller. Tu devais cauchemarder. Ça existe, ce verbe-là? Quoi, Zelda? Tu dois être encore poké. Je m'appelle Marine. Tu es sur l'île Cocoline. Cocoline? Cocolint? Sur le chemin vers le sud et tu arriveras sur la plage où je t'ai trouvé. Et sois prudent, depuis que tu as échoué ici, des monstres terribles rôdent. Là, je pense que lui, il nous donne notre bouclier. Pourquoi Mario dans le jeu? Mais pour vrai, il est supposé comme représenter Mario, un peu. Il y a Yoshi dans ce jeu-là, il y a des chum-chum. Alors Link, t'es réveillé? Je suis Tarquin. Tu te sens mieux? Quoi? Comment? Je sais ton nom? Mais c'est gravé sur ce bouclier. D'ailleurs, il est à toi. Je te le rends. Ta-ta-ta-ta-ta, c'est R? Ça, il n'y a pas ça dans le temps. Je peux pas soulever les trucs? C'est Wario? La fière me fait penser à Pokémon? Bah, c'est un jeu Game Boy. Il y a plein de clins d'œil à Mario. Oh, il y a plein de clins d'œil à Mario. Il y a des... Il y a pas un des boss dans le jeu qui est... Oh my god, c'est tellement minuscule, le terrain. Je pense qu'il y a un des boss dans ce jeu-là qui est le méchant dans Mario Bros 2. Et je pense qu'il faut pas que j'aille là. Attends, si je vais en bas, là... Si je vais en bas, qu'est-ce qu'il va... Si je vais en bas, c'est le donjon. Oh, il y a du ramage! Ça rame! Ouais. Regarde comment c'est beau! Ouais, pour vrai, c'est super beau. Fuck, je me suis fourré! Ça, c'est le donjon. J'aurais la plume pour sauter. Et c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça, je peux pas lever rien. Je peux pas lever les herbes.
Ça fait une éternité que j'ai pas joué. En fait, moi j'ai joué au Game Boy. Sois plus fort. Ok, attends une minute, ça me revient. Tu pousses avec le bouclier. Tam tam tam. Je fume l'herbe et non soulevée. Cette épée est donc à toi? Je comprends mieux pourquoi les monstres agissent tant. Le héros, celui qui doit réveiller le poisson rêve, est arrivé. On dit que le héros ne pourra pas quitter l'île tant qu'il n'aura pas accompli sa mission. Viens me voir dans la forêt enchantée, au nord du village. Je t'y attendrai. Finalement, je me suis rendu au Shadow Temple. Pour vrai? Ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué à Zelda Ocarina of Time. Ça, c'est un autre Zelda, faudrait que j'en fasse. Tu vas trouver ton épée. C'est la tienne. Car il y a ton nom inscrit dessus. C'est B. Oh, sac! Oh, c'est beau! T'es moi, cette musique-là! Musique d'anthologie. Ah, on pourrait mettre une bombe. Da-da-da-da-da. Peux-tu lever ça? Je peux pas les... Ah non, il faut la pelle, je pense. C'est ça? Je pense qu'il faut une pelle. Et le piton? Ouais, je préfère un coup... Fuck, il est mort. Encore mieux. Ah ouais, mon argent va être là. Je t'ai aidé, tu m'as fait go back trois fois en arrière pour rien. Haha, c'est chiant. Je pense que ça vaut pas la peine d'explorer la plage tout de suite. Ta-da-da-da. Meilleure tune de tous les jeux vidéo, le thème de Zelda, à vous, hein? Salut Block B en passant. Bon, attends une minute, ça de mémoire. Ça, c'est où ce qu'il te montre comment jouer. Ça, c'est la bibliothèque. Comment bien assigner ces objets? Veux-tu les? Oui. On ouvre votre inventaire pour le plus. Ok, attends-moi. Mais là, j'ai rien. Ah, puis il y a un livre qui est là. J'imagine qu'il faut les bottes. C'est là qui rame ça bien. Deuxième meilleur thème après Final Fantasy. Je peux regarder la carte de l'île en appuyant sur moi. Vous pouvez y placer des balises. Ah ouais, avec E. Ah ouais. Ça me l'a. Oh my god, c'est tellement genre... Ah, la map est bonne, pour vrai. Là. Dans le temps, il n'y avait pas la map. Faut explorer le village, je pense. Les grands disent que quand vos cœurs diminuent trop, il faut aller voir une grande fée. Oh! Un lapin barbu, merci beaucoup pour les 100 bits! Très apprécié! En tout cas, mon Zelda préfère de la Game Boy, c'est Zelda Dominish 4. Ah ouais, mais je l'ai jamais fait. Je l'ai jamais fait, il faudra que je le fasse un jour. Mais vous savez, moi sur cette chaîne-là, j'ai déjà dit, j'allais faire toutes les Zelda. Je vais faire toutes les Zelda, toutes les Mario. C'est un but. C'est un but que je me suis fixé. Ta-da-da-da. Je te le conseille. Ben pour vrai, je vais l'essayer. Je vais l'essayer à un moment donné. C'est sûr que je vais y jouer. Idéalement, si personne me propose des Zelda. Mettons, comme là par exemple, on m'a proposé de faire ce jeu-là. Bon. Des fois, je me dis, crème, ça rame un peu. Mais on va les faire dans l'ordre, idéalement. Mon toutou est si fier de son pelage. Ça, examiner tout. Ah! Vas-tu refaire Skyward Sword? Je penserais pas. Peut-être un jour, si jamais il sort en 4K. Mario RPG, trop le fun. Ah, pour vrai, c'est vraiment bon, Mario RPG. J'aimerais voir des accessoires à la mode. Ah oui, c'est lui! Je pense qu'ici, on peut creuser.
Qu'attendez, il y a une quête secondaire dans le jeu. Je pense que ça s'appelle la quête des échanges. De mémoire. Tu es en pleine forme et toi? Et dans cette maison-là. Bon, le jeu rame par moment. Ouais, c'est un peu normal. Mais c'est pas normal, ça fait chier, mais bon. Ah, c'est Pépé Ramolo. C'est le gars que t'appelles au téléphone. Téléphone extérieur. Pépé, le Ramolo n'a pas l'air d'être un grand causeur. Je pense qu'il donne des indices, ça se peut-tu? Comme là, par exemple, on peut l'appeler. Oh, la musique. Pépé le Ramolo, à l'appareil. Je sais tout sur cette île. Si tu te perds, passe-moi un coup de fil. À propos, il y a une bibliothèque dans le village. Peut-être apportera-t-elle une réponse à tes questions. Salut, Click! Donnes-tu d'autres infos? Ok. On devrait peut-être aller lire le tuto pour bien faire. Vu que ça a changé. Ça, de mémoire, tu te tiens ici là, pour te faire du cash. En tout cas, dans la version Game Boy, c'est comme ça qu'on faisait du cash. Au début du jeu. Fuck, c'est pas ça que je veux faire. Oh, le bruit qu'il fait, Link. Quoi, c'est ce bruit-là? Dans la vraie vie, je ferais tout pour éviter de faire le gazon, mais là, ici, je le fais. Oh! Un coquillage! J'ai obtenu un coquillage. À quoi peut-il bien servir? Ah, pour vrai, je m'en rappelle plus. On va le découvrir, dites-le pas, le chat. On va le redécouvrir, genre. En train de jouer au jeu de gazon? Non. J'avais dit ça hier et je pense que je devrais me faire une game. Oui! Ok, c'est ça. Là, idéalement, faut essayer de pogner le Yoshi. Le demi-cœur, mais là, ça doit coûter cher. Bienvenue au jeu dans le vent. Au jeu dans le vent. 10 rubis la partie. Je joue. Puis sur les boutons. C'est bon, c'est bon. Non, fuck. Il va tomber. Oh, c'est bon. Oh, oh le con. Mais non, il y a le cul qui est sur le... Pourquoi ça a pas marché? Sérieux? Sérieux? J'ai jamais vu ça, ça fait chier! Ça fait tellement chier, il y a la moitié du corps sur le tapis roulant! Tchao, Alic, que ça écœure! Ça écœure tellement! Allô Nintendo, oui effectivement, allô Nintendo, j'ai payé pour ça, là si tu vas pouvoir payer genre un autre 10$. Là on va sortir, oh tabarnak, j'ai juste 18, il me manquait 2 rubis. Oh ça écœure tellement. La minute j'ai 10, pensez-vous qu'il restait là? Ça m'étonnerait. On va revenir plus tard je pense. Il y a juste à toi que ça arrive. C'est pour ça que j'aime ça, t'as regardé jouer. Calic! Ça écœure! Ta minute, on le refait. S'il y a des limites, tabarnak. Ah, si, c'était dégueulasse. J'aurais pas dû le lâcher. Je l'ai pas, là. Ok, je l'ai! Ok, je m'en vais.
Bon, je suis en train de perdre mon cash. Hein? Il a poussé le cœur! Tu me sais, il a poussé le cœur! Bon, va, man. Salut, Thérémy, ça va bien? Bonsoir, Nev. Tu as finalement sorti ce jeu de son emballage depuis le temps que tu l'avais acheté. Exactement, t'as tout compris, Thérémis. T'as tout compris. En fait, c'est comme j'ai le jeu du mois, là. J'ai un B- pour l'effort. Fuck off. Mais ouais, j'ai... attends une minute. On dirait qu'on peut placer quelque chose sur ce socle. Il est écrit Goomba. Goomba. Ok. Hein? C'est nouveau, ça? On dirait qu'on peut placer quelque chose sur le sur ce socle. Fleur piranha. Ça doit être les coquillages, je pense. Salut, toi, la jouet. Salut, Max Blip. Salut, tout le monde qui arrive. Ouais, pour faire une histoire courte, grosso modo, on a un concept sur la chaîne. Le jeu du mois. Les gens qui ont le plus supporté la chaîne avec des gifs subs et compagnie. Là, on vole dessus, parce que là, pour ceux qui savent pas, on pourrait voler un item. Mais là, quand on va revenir, il va nous lancer des éclairs, puis on va être appelé voyous dans tout le village. Combien, ça? 200 rubis. Ah, 200, c'est cher. Bon, tu sais quoi, on va revenir plus tard. Puis, grosso modo, Lapin Barbu a gagné. Il a dit, non, c'est correct, je laisse passer mon tour. Puis là, ben, cacaboum, dans le chat. Elle a dit, c'est ça que je veux que tu joues. Là, pour ceux qui regardent depuis tout à l'heure, le Yoshi qu'on avait au jeu de la pince, il fallait l'amener ici. Mes quatre plus grands se rassemblent tous. Quoi? Se ressemblent tous. Même moi, je n'arrive pas à les différencier. Au fait, sais-tu où trouver un toutou de Yoshi? Ah, regardons ça, ils ont mis l'image. J'en ai vu un au jeu dans le vent, mais il est trop difficile à avoir. Là, en gros, tu apportes le Yoshi à cette femme-là. Elle te donne un pompon. Puis là, ben, tu l'amènes à quelqu'un d'autre. En fait, tu l'amènes au chien. Puis te donne un morceau de pâté. En tout cas, bref, je m'en rappelle de... Poké! C'est drôle, ça. J'ai aucun souvenir. Un bout? Damn. Je suis Papounet, le papa des quadruplés. Plus tard, je me perdrai dans les montagnes. Tu viendras m'aider, hein? Du what the fuck? Je vais me perdre plus tard dans le jeu, si on est mêlé. Oui. Vole l'appel? Non. Une très mauvaise idée. Bon, attends une minute. On va aller voir Marine, puis ensuite on va aller voir dans la forêt enchantée. Bonjour Ling! Tarquin est parti dans la forêt chercher des champignons. Moi je préfère chanter. Écoute donc. C'est la balade du poisson rêve. Ok, ça c'est vraiment nice. Ça là au Game Boy c'était fou, man. Très cool. Nanana. Ce jeu-là, il y a une ambiance, il y a un charme. J'adore. Ah, oh, c'est le jeu de la pêche! Partie de pêche, mon gars! Ça te coûtera que 10 rubis. J'en ai combien? J'en ai 2. Non, merci. J'ai 2 rubis, man. Faudra faire les donjons et compagnie là, pour se faire du cash. Écoutez-moi ça, le petit sifflage, là. Attends, ça veut quoi? On va aller voir la bibliothèque. Je suis curieux si on peut apprendre des nouveaux trucs. Parce que là, il y a le moins pour la map. C'est quoi ça? Ok, le bazar, le téléphone. L'étang. Ok, on n'a pas été, puis on sait pas comment ça marche. Ces graphismes-là sont vraiment beaux en plus. Ouais, pour vrai, c'est super beau, genre graphiquement. Mais ça rame. L'écran de carte et ses secrets. Oui. Appuie sur moins pour accéder à l'écran de la carte. Hein, hein. Tu peux zoomer avec un. La prochaine destination ou les endroits où vous voudriez revenir plus tard en plaçant des balises. Ouais.
Attends une minute. Appuyez sur X pour accéder à l'écran des souvenirs. Vous pourriez vous remémorer votre aventure. Hein? Ah ouais! Tu peux te taper ton... Ok, intéressant. Ah, ça montre où ce qu'on a trouvé le cœur, ça montre où ce qu'on a trouvé le coquillage. Ok, mon gars, ça va tellement être plus facile de faire le 100% de ce jeu-là. Wow. Ça va être... Pour vrai, ça, c'est vraiment de la qualité, là. Tout sur l'attaque circulaire. Bon, si on connaît ça, la technique secrète de l'épée. Ouais. La bonne utilisation de votre bouclier. Ouais, mais non, pourquoi pas, on va aller. Mener R, ça c'est nouveau, parce qu'anciennement, dans la version Game Boy, t'avais juste deux items dans tes mains. L'épée, le bouclier, fallait que t'échanges des fois pour la plume, pour d'autres items. Puis là, j'ai vu qu'il y a plus de boutons sur la manette de la Switch. Mais là, t'es pas obligé de mettre l'épée puis le bouclier à signer un bouton. Ouais, parer une épée, repousser les ennemis. On raconte également qu'il existerait un bouclier reflet. Permettant d'arrêter les rayons. Bon, c'est comme au Super Nintendo. Cool, si je me rappelais pas. Vraiment beau en plus, c'est le seul amiibo que j'ai de ce... Ah, je l'ai l'amiibo en plus! Faut pas mourir, par contre, pour 100 U. Quoi? Au lieu de spook. T'as pu à te poser la question si t'es déjà passé par là. Ouais, c'est ça, c'est une bonne idée. Bon truc, astuce, oui. C'est une bombe devant... Ouais... Vous avez posé... Puis ça sera pour la soulever... Puis là tu peux lancer la bombe... On peut jeter, oui... Connaissez-vous cette astuce? Oui... Les lois de la téléportation... Okay, c'est intéressant... Il existe sur cette île des points de téléportation... Ah ok, oui, ok... Vous pouvez vous en servir pour vous déplacer d'un point à l'autre de la carte... Toutefois, il est impossible de se téléporter vers un point de téléportation que vous avez... Que vous n'avez pas encore jamais foulé du pied... C'est évident. Atlas de Coquelin. Les noms de toutes les régions de l'île qui sont inscrits. Veux-tu le consulter? Why not? Ah! Un peu un spoil? Livre des mystères. Qu'est-ce que... Impossible de lire ce livre sans une loupe. Peut-on en trouver une? Il suffit de venir en aide aux gens. Ok. Intéressant, ok. Va falloir revenir ici pour eux avec une loupe et les bottes. Ok, good. Il y a une quête de Zelda Breath of the Wild en lien avec ce jeu-là? Ah ouais? Pourquoi il y a un capot? Je sais pas, peut-être qu'ils ont intégré ça. Bienvenue à la forêt enchantée, jeune héros de l'éveil. Apprends que la bien mystérieuse île Coquelin n'existe sur aucune carte. Les règles qui la régissent diffèrent un peu de celles de l'endroit d'où tu viens. Mais sache que tu ne pourras pas la quitter tant que le poisson rêve, la divinité de l'île, dormira. À propos, as-tu aperçu la caverne? Flagello, situé au sud du village. La clé permettant de l'ouvrir est cachée dans cette forêt. Trouve-la avant de t'y rendre. Pour son rêve, te regarde. Ok, parfait. Ouais, c'est ça, en gros, il faut avoir tous les instruments. J'en dis pas plus. Il y a une... Ah oui, regardez ça, les gros cochons. Le gland de défense. Il réduit de moitié les dégâts infligés par les ennemis. Aïe aïe! Je pense qu'en dans le temps, c'était le super gland. Soit le super gland. C'est un raton laveur espiègle. Et j'aime pas du tout ce qui est poudreux. Alors ça, c'est... spoiler. Non, je le dis pas. Je vais aider le raton laveur. Dans la forêt. Ah oui, c'est vrai, on va se perdre. Salut, songe en passant. Ah, la fée.
Non! Excellent. Là, il y a un trou, ça va pas. Quand même assez facile. Ça le cachera pas, là. Ça serait trop cool qu'il fasse la... les deux autres jeux sur Game Boy Color. Ok, ça, je pense qu'il faut que... faut pas que je l'attaque. Oh, le Zora, comment il est bien fait! Tout a l'air d'être en plastique. Je pense qu'elle va donner le sac de poudre, hein. Tralali, tralala, un champignon, trois petits tours et la poudre magique apparaîtra. Il me faudrait le champignon, il faudra le trouver. Ta-da-da-dam, ta-da-da-dam. Ça fait du bien de jouer à ça, j'aime ça. Et toi. On va juste smasher, faut juste smasher. J'ai le gland! Le gland de défense. Ah, oh, je pense que c'est là. J'aille là-dedans. Je suis content. Bravo, t'as un gland. Ouais. Bien content. Non! Si je me fais pousser! C'est quoi ça déjà, le fragment de puissance? Tu peux sentir l'énergie envahir ton corps. Je peux-tu genre l'ouvrir, cette affaire-là? Je peux pas. Oh! Vrai gamer. Guy! Guy, merci beaucoup pour ton sub. Maintenant, t'es rendu un vrai gamer! Très apprécié! Merci beaucoup, mon homme! Bravo, t'as un gland. Je suis content. J'avoue que ça fait weird, dis-moi. Il est là, mon champignon! Ta-da-da-da-da! Tu as ramassé un champignon. Un arôme subtil exalte ton sens de l'odorat. Ça sent la merde. Ok. Faudrait la plume, man, pour sauter par-dessus. Viens-tu au Game Boy quand tu pognais un gland et un fragment... À quel point le dialogue était long et passé. Oui, je m'en rappelle. Mais ça disait-tu genre une affaire comme, mettons, tu as le super gland? Une affaire de même. Genre, il y avait comme un affaire qui était... Moi, je me rappelle, c'était hyper... Mais ça, on riait, moi et mes amis, qu'on voyait ça. Il n'y a pas une façon, attends, mais là. Ton champignon magique ou ton... Champignon cocon... Quoi? Une minute, comment qu'on... On peut pas? Je pense que... Le crâne qui est là, on peut le briser? Je me pose vraiment la question. On le lève ou on le brise? Attends une minute. Est-ce que... Je devrais... Peux-tu zoomer? Ah, attends, je vais mettre un cœur là. Je vais mettre un cœur là, je vais me rappeler qu'il y a une partie de cœur. C'est bon ça, c'est bon ça! Oh, ça a failli casser! Faudrait vraiment les gants! Les gars, il fait pas l'exprès. En fait, ça sonnait plus épi de maïs. Ouais, tu trouves? Cette musique-là, là, de la caverne, ok. Il y en a plusieurs qui ont dit que Nintendo a réutilisé cette musique-là qu'on entend là. Pour les sanctuaires dans Zelda Breath of the Wild. J'aime beaucoup les glands, les gants. Il est vendé ses glands. C'est pas de ma faute, le jeu il montre juste ça. Fuck! Ils ont ajouté un petit peu de... Comment on pourrait dire ça? C'est comme il y a un peu plus de subtilité dans ce jeu-là, mettons. Un ennemi t'attaque, genre tu peux bloquer pis ça rapporte. Tu sais. Ta-da-da-dam, ta-da-da-dam. Link's Awakening, salut Rita, ça va bien.
Je comprends, j'aime ton glas aussi. Ok, ok, ok. Ça y est, c'est prêt, attention! Il y en a peu! Si tu veux, tu peux l'essayer ici. Poudre magique. Ouvre ton inventaire. Ok, ok. Ok, là, c'est là, là. Très bien, c'est donc d'en saupoudrer tes ennemis. Comment ça, tes ennemis? D'en saupoudrer tes ennemis. Et surprise! Si tu es à court, te suffira de me ramener un autre champignon de la forêt et je t'en concocterai à nouveau. Pas de champignon, tu peux aussi partager... Quoi? Je peux aussi partager avec toi la poudre que j'en réserve, mais t'en coûtera quelques rubis. T'en as m'étouffé. Zelda de mon enfance. Moi aussi! Zelda de mon enfance. Mais regardez bien ça, ok? De mémoire, lui on l'asperge. Bon, ça sert pas à grand chose. Ça y est, ça part, mais de la voix, ça part. Vas-y, lance-les. Excellent, là, faut juste trouver le moyen de... Faut juste trouver le moyen de revenir. C'est là? Oh! Oh, comment je me suis retourné! Dans une minute. C'est juste ça! Faut sortir de la forêt, je pense. Attends une minute, c'est ça. Là, on retourne là. Là, on tourne à droite. Non, attends une minute, on monte en haut, je pense. Le gland! Excellent. Ben voilà, regardez ça, là. Qui part en couille. C'est tout le temps comme ça. J'ai croqué dans un champignon et puis j'ai rêvé que j'étais devenu un raton laveur. Après, je sais plus trop ce qui s'est passé, mais c'était trop rigolo. Ça s'appelle de la drogue. Oh là là! Je me sens tout drôle. Je vais me reposer avant de rentrer. Attends une minute, là. C'est quoi que ça fait? Attends une minute, c'est quoi qu'il faut faire maintenant? Je pourrais pas continuer. Ah, regardons ça. C'est la clé, ok, c'est bon. C'est bon, je me rappelle. Ok, le maintenant faut aller en bas. Ok, c'est bon. Ah oui, le hibou. C'est Mario. C'est vraiment Mario, hein? Non, mais no joke, je pense que c'est vraiment une grosse référence à Mario. Il y a une moustache, il mange un champignon, puis il se transforme en raton laveur. C'est du Mario Bros 3, là, no joke. À présent, rends-toi à la caverne Flagello, au sud... C'est ça, Flagello? Flagello? Je pense que oui. Au sud du village. Une fois à l'intérieur, récupère l'instrument qui y repose. Le poisson rêve t'attend. Ah, mais pour vrai, je pense que c'est vraiment une référence à Mario. On va aller voir qu'est-ce qui se passe. Je peux rien faire. Je pense que le premier item qu'on a, c'est la plume. Hein? Ah, il y a un téléphone! Qu'il va nous dire. Appelle Ramolo à l'appareil. Il y a une bibliothèque dans le village. Même Esti, je l'ai vu. Pas très utile, Pépé. Tu veux vraiment que je réponde à cette question? Non, 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 non. Ben, en fait, je sais même plus c'est quoi ma question. Ben, en fait, je connais le jeu, mais je m'en rappelle plus. Fait que ça donne rien à moi que je suis vraiment bloqué pendant 15 minutes. C'est juste que j'ai jamais fait cette version-là. Peut-être que je vais être bloqué rendu au donjon du Game Boy Couleur. Parce que j'ai jamais fait la version DX. La version Game Boy Couleur. Bam-tang. Bam-tang. Une minute, là,
c'était quoi déjà? Ça faut aller en haut. J'ai combien de cash sur moi? Ça va pas faire. Le premier item, moi je pense que c'est la plume. Wow, j'aurais pu le... Je pense que c'est la plume, man. 25, on va pouvoir faire le Yoshi. Asti, faut que... Faut que j'attends. Pepper Alzheimer. Pepper Alzheimer. Ouais, faut qu'il refasse toutes les Zelda. C'est trop bien. Refaites-les comme ça. Ceux qui sont en 2D. Oh! As-tu entendu le son? As-tu entendu le son, esti? Tout-du-du-du-du-du. Avec un petit genre reverb, genre. Tout-du-du-du-du-du-du. C'est bon, on va en résoudre des... Des choses. Des énigmes. Puis là, un item va tomber, là. C'est ça. Ou un cop va apparaître. Ah oui! Hey, pour vrai, il a dit ah oui en tabarouette là-dessus. Fragment de puissance. J'ai la boussole. Attends, mais là, on fait moins, là. Ah! What? Ils montent tous les coffres! Ah ouais, mais j'ai la boussole, c'est sûr. Ça m'a fait triper dans Zelda les donjons, c'est pour ça que Breath of the Wild, j'ai pas trippé tout comme tout le monde. Mais moi, je trouve que, honnêtement, je pense qu'ils étaient rendus au bout du concept. Il fallait qu'il y ait Breath of the Wild. Il fallait absolument qu'il y ait Breath of the Wild. Puis honnêtement, je prendrais beaucoup plus des... Les deux formules peuvent exister, selon moi. Même ils doivent exister parce que... Je sais pas. Comme c'est bien jouer à ça, mais... C'est pas... Ah oui! Le gars, il arrête plus. C'est bien jouer à ça, mais c'est pas le même calibre qu'un Breath of the Wild. Mais je suis content. Je suis content de jouer à ça. Une fois de temps en temps. Bon, soit qu'on se colle sur la porte, puis on traverse, puis on pourra pas revenir en arrière. Ou je m'en vais là. Ouais, je pense que je vais explorer là. Attention, en haut, ça indique que j'ai deux clés, trois cœurs. Ah, j'ai le gland! Ah, ça gosse le gland, le truc. On peut-tu, genre, je sais que ça fait, là. Éteins ici, toi. Faudrait des bombes. Capoté, disons. Ouais, t'as aimé, mais t'as pas capoté, genre. Je vais quand même acheter Breath of the Wild 2 Day 1. Ouais, moi, c'est sûr, man. C'est sûr que ça se passe sur ce stream-là, là. Venez-vous-en la journée même. Moi, je assume Day 1. Je passe une semaine là-dessus, s'il faut. M'en fous. Hey, c'est weird! Ça, par contre, c'est un peu étrange. Le fait que le jeu, c'est plus des écrans fixes, là. T'as obtenu 20 rubis. Oh joie! Oh joie! Oh oui! Une autre clé! Moi j'aimerais un MMO RPG de Nintendo. Mais quelle franchise? Un mélange des deux, je pourrais être le fun. Donjon et Shrine. Ouais, ça pourrait être popé. Mais techniquement, ça existait déjà avec les créatures divines. J'ai trouvé la traduction de Glan. Dans les vieilles versions, ça s'appelait le... Le Guardian Archon. Non, mais genre en français Canada, c'était comment? Parce que moi, j'avais le jeu en français. Sur Game Boy. Attention, j'utilise une clé. Oh, le petit con. C'est bon, je l'ai coincé. Non! Asti, c'est quoi ça déjà? Attends une minute, ça me dit quelque chose. La statue sans bec te parle, mais je ne comprends pas ce qu'elle dit. Ah oui, il faut trouver le bec!
Ok. Excellent. J'ai obtenu un bec de pierre maintenant. Il faut trouver une statue hibou. Stop pas les bip-bip. Avec ton bouclier, renverse les créatures aux pointes acérées. C'est tout? Oui. Oh, la musique, comment ils l'ont refaite? Ah! Non, il faut la plume. Donnez-moi là un petit cœur, là. Je t'allais dans. On dirait genre mon cadran, il sonne. Hein? Attends, minute, checker ça! Hein? Le coffre, il disparaît? Ça, c'est trop. Comment qu'on gage, je me fais toucher là-dessus? Gamer. Big Papi, merci beaucoup pour ton son. Maintenant, t'es rendu un vrai gamer. Très apprécié. Névrose guimauve, névrose guimauve, névrose guimauve. Merci beaucoup, mon homme. Ce que je vois en français, dans le vieux jeu, c'était juste gland. Pour vrai? Oh! RJ, RG, Emily, merci beaucoup pour le raid. Bienvenue tout le monde, bienvenue. Les cris que tu fais, j'ai pas envie de mourir. Fais ça du Fall Guys. Bienvenue à toi, mon homme. Oh man, c'est tellement bon ça. Je voulais un autre cœur. Attention, on a le bec. Si une porte reste fermée devant toi, un bloc, tu placeras. Hein? Si une porte reste fermée devant toi, un bloc, tu déplaceras. Bon ça. Easy! Ok. Ah, c'est ça, les autres, là, les bêtes avec des pics. Easy. Parfait. Ah! Un souterrain! Fait que ton bouclier renverse les créatures au point assez... Mais non, mais what the fuck? C'est la même affaire qu'il a dit tout à l'heure. J'ai pas lu mon message sur la sortie de Breath of the Wild. Non. Genre, à la seconde que je vois la date de sortie Marco, puis moi, c'est bye bye dans 7 jours. Genre, il stream toute la fin de semaine, puis moi, je game en bobette. Moi, je game en bobette. Regardez-moi ça! Regardez-moi ça, les Goombas! Une autre référence à Mario. On va éviter de... Ça, c'était weird dans le temps. Trop simple. Trop simple, mais écoute, c'est un petit jeu de main. Ah, c'est ça. Easy. Nice. Da-da-da-da-da. T'as obtenu la plume de roc. Soudain, tu te sens plus léger. Parfait. Et toi. Attention, maintenant, c'est comme Mario. Oh, qu'est-ce que c'est ça? La musique, je pensais que c'était un peu comme dans Mario Bros, le deuxième niveau là. Comme ça, on s'en fout. Là, si on peut le skip, hop. Oh, ça, c'est bien. Y avait-tu d'autres choses, ça? Non. Il faudrait une bombe, hein? Y a comme un truc à l'entrée, là. Garder le truc, genre ça sonne différent. Ah, qu'est-ce que tu fais là? Ok. Je me rappelle plus. C'est-tu là je vais aller? Je pense que oui.
Ah non, mais il y avait d'autres choses en haut. Ok. Genre là, là. You get fucked! C'est un boss? Non. Non, c'est pas le boss, c'est un mini-boss. Non, il fallait sauter, quel con! T'as une minute. J'étais pas prêt. Il va me tuer? Ok, c'est bon, je l'ai eu. C'est une fée? Ah oui, il y avait pas des demi-dons. Ah oui, quand t'étais à moitié du donjon. Il y a un téléporteur à moitié du donjon. C'est ça? Ok. Si jamais on veut faire ça dans l'avenir. Moi, là, on a le cœur net. Hop! Oh, il a failli me toucher. Il a failli me toucher. Au revoir. Attends, mais c'est quoi qu'il y avait en haut? Ça, je l'ai fait. Il faut la clé du boss. C'est reparti. Qu'est-ce qu'on fait là? Non mais attends une minute, c'est pas quand tu le... Attends une minute, ça m'en revient. Je pense que le boss, il te pitch en bas. Là, tu te retrouves là, puis t'es obligé de refaire le chemin. Je pense que c'est ça. Oh! C'est ça. Ça l'a fait. Pourquoi il a pas sauté? Lance-toi! Il me donne-tu un cœur? Pas. Pas du tout. Très déçu. Bon, je vais dodo. Bonne à toi, lapin barbu. Pas de beau rêve. Faut que tu sautes. Mais non, mais tu peux pas sauter. Tu peux pas sauter si en hauteur que ça. Non, je pense vraiment, c'est quand le boss, il te pitch en bas. Genre, tu te bats contre le boss, pis genre, il te met. Il peut te faire tomber en bas, pis là, tu te retapes le chemin. Tu. Ça, c'est la clé du boss? Ah, c'est la clé du boss. Ok, on était rendu là. Ils ont vraiment appelé ça la clé du boss. Et non, du gardien. Regardez-moi ça, là. Il y a un truc qu'on n'a pas ouvert. Mon dieu, comment. Même la map à RAM, genre. La map à RAM, c'est. Ok. Mais pourquoi il saute pas? Donc quand t'es trop sur le bord, il saute pas, genre. Ok. Bon, mais là, j'ai pas mes trois cœurs. Fait chier. Saute! Salut, Adam, ça va bien? Attention, c'est bon. C'est ça, regardez, là, il y a les tuiles qui sont cassées. Un intrus. C'est vraiment le même intrus avec un S. Moldorm. Oh shit. C'est reparti. Non, il me reste juste un cœur. Fuck! Tête-toi! First try! On est même pas mort! Merci beaucoup le chat! Si le boss Moldorm dans Link to the Past m'avait fait rager Rage Quit quand j'étais petit. Quand j'étais kid. À vous, hein? Il te jette en bas et tout. Ah, ah.
Tu as obtenu le violon des vagues. Il va-tu en jouer, de mémoire, oui. Wow. C'est tellement beau. Marais, une nouvelle voie s'ouvrira à toi dans le marais fleuri. Alors, faut juste aller au nord de la forêt, je pense. C'est trop beau. C'est trop beau. Puis là, faudrait mettre un truc comme quoi. Il faudrait mettre une balise. Je vais mettre comme quoi il reste un coffre. Parce qu'il faut qu'on aille une bombe. Mais on n'a pas encore des bombes. Bon. Là, ça serait pas mal le temps d'aller rechercher le Yoshi. Je vais chercher le Yoshi, puis j'essaie de faire la quête des échanges en même temps. Hein? Ah, le hibou va venir encore me parler. Ça, j'avais oublié. Pourquoi il est sur ses ailes? C'est un des instruments des sirènes. Tu es brave et je t'avais sous-estimé. J'espère que tu sauras me pardonner. Cet instrument utilisé avec les sept autres a le pouvoir de réveiller le poisson rêve. Il te faut donc à présent rassembler les 8 instruments. Quant à moi, mon rôle est de t'indiquer le chemin. Maintenant, va au marais des anémones situé au nord. J'ai jamais joué à Link's Awakening. Ben, c'est un bon petit Zelda. C'est peut-être le meilleur jeu Game Boy. Comme moi, c'est mon jeu préféré. Ah non, regardez ça, les jeunes, ils capotent, là. Quoi? Quoi? Monsieur, c'est terrible, c'est horrible. Eh ben. Ouais, c'est terrible. Il y a des moblins. Eh ben, ils sont venus au village. Il y en avait plein, des moblins. Et puis, ouais, ils sont rentrés dans la maison qui est juste là. Et puis, eh ben, ils ont fait un truc dans la maison où il y avait Toutou, ouais. Eh bien, les moblins, il vaudrait mieux que tu ailles voir ce qui s'est passé. Incroyable. Le chien s'est fait voler de mémoire. Oui. Au secours, quelle horreur! Toutou a été chiennappé par des moblins. Ah, je t'en prie, va secourir mon toutou. Ok. Ça là est toujours là pour les dialogues. J'aimerais ça me mettre fou 2 secondes, par exemple. Ça va pas bien, la voix. Le bordel est pogné au village. Oui, mais... Le plus important, c'est le Yoshi, man. 52, les gars! Je l'ai, le Yoshi, là. Regardez bien ça. Êtes-vous prêts? Car c'est là, voix! Ah, faut que je me calme. Attends une minute. Ah, c'est que ça fait chier. Je pense que je l'ai pas. Asti, je l'ai pas, non! C'est quoi les chances? C'est du québécois? Je pense que le jeu était traduit un peu en québécois. C'est ça qu'on l'a eu tout à l'heure, mais là on l'a pas. Non! Asti, c'est de la merde! Je pensais genre redonner un petit coup, on peut pas faire 2 fois. Asti, c'est laid. Bon, mais... Évidemment, je peux pas donner 2 petits coups, ça serait trop facile. Bon, attendez, là. Là, faut que j'arrête de niaiser, là. Ça va coûter combien, ce Yoshi-là? Ça va me coûter 50 rubis, esti. Genre, y'a du monde qui l'ont en 10. Ok, là. Salut, V-Gamer. Oh, ce jeu-là, comment ça va, neuf? Ça va super bien. Là, man. Là. Oh, il fait peur. Yes. Yes! Je m'arrête là, man. T'as gagné le toutou Yoshi, on le voit dans tout un tas de jeux ces temps-ci. C'est vrai, on le voit dans tout. Bah, attends, mais comment il vaut le mauve? Le rubis mauve, il vaut combien? Un petit Yoshi, un pauvre petit Yoshi en paille. Non, c'est vraiment un toutou.
pas le cœur. Je me dis que, regarde bien, ok, si je me plante, écoutez bien ça, si je me plante sur le cœur, parce que je pense que ma logique, elle fait pas de sens, mais en tout cas. Asti, pourquoi le bouton, il a lâché? Ah, je suis dégoûté, man. J'ai choqué. Bien sûr, un autre essai. Cinquante, je pense. Nice. Asti, il va pas marcher. J'ai besoin de cash. C'est 50 le rubis? Attends une minute. Il est chiant le cœur, c'est pas grave, il me le faut. Ta-da-da-da. C'est 50, parfait. On va pouvoir tout claquer sur le... Pour refaire le cœur. Il est beaucoup mieux sur le côté. Ok, c'est parfait. J'ai bien ça le chat. Arrête de parler, j'ai juste envie de jouer. C'est bon. Regardez ça, le chat. Là, on va l'avoir, là. Oh, oui, on l'a! Ah, c'est-tu que c'est beau? Je l'avais voyé, je l'avais dit. Il faut le rubis pour ensuite avoir le cœur. Plus de cash. Je m'arrête, là. Plus facile. Écoute, c'est beaucoup mieux comme ça. Je me demande qu'est-ce qu'il y a dans le magasin après. Attends, regardez bien ça. Je ressors, je rentre. GG, merci beaucoup. Hein? Ah, mais le toutou de Yoshi est trop fort, monsieur. La chance, ma maman en voulait vraiment un. Ok, mais c'est pas le temps, là. Ah, c'est un coquillage, man. Ah, c'est un coquillage. Mais vu que je sais pas encore à quoi sert les coquillages, je vais y aller mollo. Je m'en rappelle plus, dites-moi là pas le chat. Cette musique-là est bien stressante. On va aller porter le toutou. Le bouclier. Tu m'offres ce toutou? Oui. Merci, tu es un gentil garçon. En échange, je te donne ceci. Échanger ton toutou de Yoshi contre un ruban. Peut-être le truqueras-tu lui aussi par la suite. C'est sûr. La musique est vraiment stressante. C'est quoi ton Zelda préféré? Ben, celui-là, ça fait partie de mes Zelda préférés. Wind Waker, j'adore aussi. Puis Breath of the Wild, j'adore. Ça fait pas mal partie de mon top 3. Mais celui-là, ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué. Puis en plus, je redécouvre la nouvelle formule qui est en 3D. Ouf, je suis calcaire, t'es branché. Ce ruban, c'est du chic. Il me le faut absolument. Tu l'échanges contre ma pâté? D'accord. Génial, merci. Comme promis, voici ma pâté. On dit une pâté? Enfin, ça, on disait un pâté. Garantie 100% pur bœuf. C'est pas un jeu vegan, ça. Fake Nevro, ça va bien. Là, vous êtes sûrement pris, il va pas dans le bon sens. Attendez, je me rappelle de la. Mais non, mais si on a pas le. J'aime les Zelda plus cartoon, c'est pas mal. Non, en fait, j'aime juste les Zelda qui sont originaux. Je me fous un peu du style artistique, genre pour vrai. Breath of the Wild était super original. Wind Waker était complètement différent des autres. Puis Link's Awakening, sûr.
non. Oh! Vrai gamer. Fake Névrose, merci. Oh shit! Merci beaucoup pour ton sub. Maintenant, t'es rendu un vrai gamer. Très apprécié. En fait, ce que je trouvais fou à l'époque, c'était ce Zelda-là, il tournait sur une Game Boy, puis je trouvais qu'il était vraiment mélancolique. Pour ceux qui se rappellent un peu de la fin de ce jeu-là, je trouve incroyable. Mais qu'est-ce que tu as là? Je t'en prie, donne-moi cette boîte de conserve. Je t'en supplie. Alors, que décides-tu? Je veux bien. Merci, vite, vite, à table. On va me donner des bananes. Quel délice! Pour te remercier, je t'offre des bananes. Quel régal. Tu as le sentiment d'y avoir gagné. Alors oui, j'ai le sentiment d'y avoir gagné. Alors ça, c'est drôle, mais l'alligator qui est là, le crocodile qui est là, je pense que c'est un alligator. Je pense que c'est en référence à un jeu Game Boy, qui est un jeu de pinball. Revenge of the Gator. Donc, c'est un très bon jeu, mais pas un bon Zelda. Ah, oh, là, là. Là, là. C'est peut-être le Zelda le plus original. C'est le Zelda... Je suis désolé, hein, mais moi, je trouve que c'est un excellent Zelda. Breath of the Wild, parce que... C'est le seul Zelda qui a poussé le concept de Zelda 1 au maximum. Parce qu'on est vraiment téléguidé dans les autres Zelda. On attend tout le temps le meilleur Zelda qui va reprendre la meilleure formule de Zelda 2. Malheureusement, sur CDI, c'était pas le cas. Attends, what? Je suis allé... Les crocos ont le nez pointu, pas carré. Nez museau. Ça se pourrait. Faut retourner en haut, je m'en rappelle plus. Ouais, c'est ça. Ça m'indique quoi sur la main? C'est vrai, il y avait un cœur qui était là. C'est la poune. Parfait. Sinon, c'est sûr que, évidemment, j'adore Ocarina of Time. C'est juste qu'Ocarina of Time, je sais pas, là. C'est comme A Link to the Past puis Ocarina of Time. C'est sûr que je les adore, les jeux, mais... Comment qu'il y a ça? Il y a un coffre. Je vais mettre un coffre, là. Ça, c'est intéressant, ça. C'était bon, ça. C'est bon, cette nouvelle map, là. Il y avait pas ça dans le temps. C'est juste que mes préférés, c'est ça. C'est sûr, là. Bon, attention, on saute! Qu'est-ce qu'on a, là? C'est un moment donné, tu peux pas toutes les nommer. Ah oui, regardez ça! Ça, c'est... comment il s'appelle? Attendez une minute, je vais pas y parler. Il s'appelle... C'est le personnage dans SimCity. Puis c'est basé sur le vrai créateur de SimCity, version cartoon. Professeur... Je m'en rappelle plus. Ça commence-tu par un G, son nom? Wright, c'est ça. Dr. Wright. C'était pas professeur, désolé. Bonjour, je suis l'aimable Dr. Wright. Mon passe-temps, c'est d'écrire des lettres. Le problème, c'est que je ne reçois jamais de réponse à mes missives. What the fuck is une missive? C'est le drame de ma vie. Une missive. Professeur, je m'en rappelle plus. Ça de me rappeler, ma mémoire est pas à 100%. Dr. Wright. Eh ben. Bon, qu'est-ce que je fais? Je monte ça en haut. J'ai le gland. Oh shit, oh shit. Qu'est-ce qu'on a là? Ah, un rubis!
Varubi au joie. Ça me ferait au joie. Joie. Ah ouais, ok. Vraiment pas moyen, hein. Comme dans mes souvenirs, on peut les briser, ces affaires-là. Mais tu sais, je sais pas comment expliquer, genre. Tant mieux qu'il existe plusieurs formules de Zelda, puis que les gens y débattent. Ça veut dire que la franchise, elle se renouvelle constamment. C'est bon. Oh, tabarnak. Tu là? Alors, je pense que si je vais là, je vais me faire attaquer. Il me faut vraiment enlever. Il me faut vraiment le chien. La grotte est en bas, je pense. J'arrête pas de pogner toutes les... J'arrête pas de m'étouffer, ça va pas bien, j'arrête pas de parler. Yeah! Ta-ta-ta-ta-ta, fragment de cœur. J'en ai combien, là? Qu'est-ce qu'il y a? Plateau. Pourquoi il saute pas? Un coup? Ah oui, on peut aller par là. C'est-tu par là? What the fuck? Tout devient sombre. Oh oh, ils vont venir m'attaquer, je pense. Je suis en train d'explorer. Pas sûr que c'est là. Je suis vraiment pas sûr que c'est là. On est en train de se perdre, mon gars. Ah, c'est peut-être là, oui! Attends, le poisson rêve n'a que du poisson que le nom. S'il fend les airs, il n'en est pas davantage un oiseau. Ok. Pensez-le. Le terme littéral pour une lettre. Tout ce qui est écrit et envoyé à un destinataire. Ah, ok. Easy. Mais ouais, il y a plein de monde qui ont trouvé plein de... Ok, ça va être tough, ça. Il y a plein de gens qui ont souvent, quand jouent à Breath of the Wild, disent « Ah, j'aime ça, mais... » Il n'y a pas de donjon. Ah, les armes se brisent. Si vous voulez que je vous dise. Venez chercher... Tu es venu chercher Toutou? Tu dois être le mercenaire envoyé par Madame Miao Miao? Je vais te donner une bonne correction. Non. C'est quoi le truc qu'ils font? Ouais, c'est ça. Oh! Oh, il a breaké! Easy. Bonsoir papa et le chat, salut Joe, ça va bien? Une fée. Viens ici. Viens ici! Oh tabarnak, come on! Allô? Pourquoi ça va dans l'autre pièce? Où c'est qu'on est? Ça arrivait pas ça dans le temps. Le style du jeu me fait penser à un vieux film de... catéchèse sur le premier testament. Mais what the fuck? Par rapport. Un film de catéchèse? On ne regardait pas les mêmes affaires. Je suis intrigué. En même temps, moi, je faisais les derniers cours de catéchèse que j'ai eu à l'école. On écoutait Bob... Attends, mais c'est quoi? Jane Bob... J'ai Bob le silencieux, genre en français.
Il vient tout le temps parler. Ton compagnon a l'air féroce. N'oublie pas, le deuxième instrument se trouve au marais des anémones. Ben, merci. J-Bob contre-attaque. Non, Dogma. Non, c'était Dogma, finalement, qu'on avait regardé en classe. Tu crois? Vas-y, vas-y, attaque. Oh, que c'est beau! Ça me fait trop rire, pas vrai? Je trouve ça drôle. Hop. Ah, si, je pense qu'il y avait un truc pour se téléporter. Ah, regardons ça, il y a une maison. Tabane d'Igor, ça me dit rien. Ça, je pense que c'est le contenu Game Boy Color, ça se peut-tu? Je regarde la maison, elle est pleine de couleurs. Oh! Attends, que tu es un... Est-ce que tu es un voyageur? Sur ma pique, petit, j'aurai un service à te demander. Je m'appelle Igor, mon passe-temps, c'est de faire des fouilles dans les ruines que j'ai découvertes sur cet îlot. Ce serait chic de ta part de passer me voir dans ma cabane quand t'auras le temps. Je te trouve juste à côté. Ben, j'ai le temps. T'as un nouveau truc dans cette version-là? Ah, c'est l'affaire où on crée j'en avais entendu parler dans le temps, là. Tu crées ton donjon. C'est comme le Mario Maker du... J'attendrai ici juste que tu aies fini ce que tu as à faire, mais ne traîne pas trop. Le vieil Igor n'aime pas les poireteux. Les poireteux. Imagine si Breath of the Wild avait eu des temples avec des thèmes comme Ocarina of Time avec le Shadow. Ah, mais c'est... Vous voulez tout le temps jouer au même jeu, dans le fond. C'est ça? Avec tout le temps que ce soit le même jeu. Ça pouvait pas fonctionner, les gars. C'est impossible. Ils pouvaient pas refaire Zelda avec l'idée qu'ils ont eue. Tu peux pas faire les donjons avec... Je sais pas si vous comprenez un peu la démarche du jeu. C'est que dès le début, t'as tous les pouvoirs pour explorer où tu veux. Tu peux pas avec la vieille formule, genre. Parce qu'avec la vieille formule, faut aller dans tel temple. Pour pogner tel item qui te permet de débloquer tel autre truc pour avancer dans l'aventure. Tu peux pas, genre. Je peux juste pas. Mais bon, si vous voulez tout le temps jouer au même jeu, c'est carré. Ça, il est supposé manger les plantes. Allez, une minute, on va rentrer dans ce donjon-là, puis on va en parler, là. Ça a l'air d'être un... Mais coudonc, il mange-tu le truc? Non, il est supposé manger cette plante-là. Ah oui, c'est bon ça. Ça va, il y a un cas. Ta-da-da-da. 50 rubis! Moi je dis oui. C'est bon ça. Il attaque pas. Ah, mon Game Boy, il mangeait tout. Ah, ça c'est mieux. Les items dans Twilight Princess sont fous. La balle et chaîne. La Domination Road. C'est original de la Domination Road. On rappelle pas. Génie. Tellement beau. Ah oui, la baguette qui permet de contrôler les statues. Ouais, il y a des bonnes idées, il y a des bonnes idées. C'est fou, hein, mais moi je trouve que la tablette Shaker dans Breath of the Wild, c'est tellement le truc qui respecte le plus l'intelligence du joueur depuis des années.
En même temps, je suis un ultra défenseur de Breath of the Wild. Ah oui, attends une minute, comment ça marche? Lui, il faut le pincer comme ça, genre. Easy, easy. Man, j'adore Zelda. Moi aussi, j'adore Zelda. La boussole. Je pense à ça, on est fait. On peut facilement faire 3 à 4 donjons. Facilement, genre. Hey, ça m'écœure d'avoir les bronches qui me chatouillent. Attends une minute, c'est quoi déjà cette affaire là? Des attaques? No clay? Peu importe ce que les Nintendo va label de Zelda, je vais acheter. Ouais, c'est correct. De la poudre, j'en ai-tu besoin? De la poudre! Oui, j'en ai besoin. Come on, fais ton saut. Même crossbow training. Genre crossbow training remaster. Hey, le pire, c'est que j'ai vu Vine Souls y jouer. C'est cool, pour vrai. C'est pas le Zelda que tu veux, mais Chris, c'est cool. Là-dedans? J'aime les rail shooters par contre. Ah, j'adore les rail shooters. Attends une minute, je peux-tu revenir chercher mon... Écoute, House of the Dead, pour moi, c'est un bon jeu. Là. Le remake de House of the Dead, c'est un bon jeu. Là. Pour Switch. Là. Worm of Gamelon. Un bec qui va tomber. Je fais de la poudre pour travailler, plus pour faire d'argent, plus pour faire de poudre. Un homme de culture. C'est-tu genre les anticipateurs, ça? C'est quoi cette affaire? Malheureusement, on est pareil en ce moment même. Je tousse. Tout le temps, juste le fait de parler, genre que ça finisse. Ouais, c'est tannant, genre, je me sens plus malade pantoute, mais les bronches sont chatouillées, mon gars. Ça, c'était noob! Tout! Ah shit, c'est-tu le boss? Ça va être le demi-boss. Ah oui, mais lui, il faut juste le bombarder, je pense. Wow, non! Wow! Ouais, c'est ça, bien drôle, bien drôle. Ah, j'ai sauté! J'ai sauté! Là, si je tombe, ça va me faire chier, gars. Ah! T'as-tu vu ça? Ok, parfait. Excellent. Ok, on est à l'autre bout par contre. On est vraiment à l'autre bout. Yves depuis 3 mois. Là, tu vois que je donnais un coup d'épée. Pourquoi ça n'a pas marché? C'est vrai que je vais vivre avec une vieille toux pendant 3 mois. Ce trou noir. Ah, la carte! Là, on a trouvé la carte. Consultez la carte. Mode poignée.
Je vais pas renouveler ma poudre, j'en ai 18. Je devrais attendre. Non, il est tombé! Il est tombé, il est tombé. Une clé restante. Oh shit, mais non, mais qu'est-ce que c'est? Ben ouais, c'est ça, hein? Fais-moi un smat, les gars! Ouais, l'autre, il est parti, genre comme ça. Je me suis même pas battu contre l'autre, il est juste parti. Ah, l'anneau! Le bracelet de force. Tu vas pouvoir soulever des pots et des pierres. Incroyable. Prends-tu là? Oh, attends. Mm-hmm. Il était temps, là. Il était temps de soulever. On va le prendre. Du-du-du-du. Oh ouais. Mais non, mais que t'as... Pardon. Chante-le. Papa, papa, petite clé, ok. Oh, la petite chauve-souris, genre. La petite LED. Ce vieux saut là. Ça change-tu quelque chose? Peut-être pour le chemin de retour? Sûrement pour revenir. C'est une clé, là. Moi, je me fous. Ah, attends une minute, c'est quoi ça, déjà, ces lapins-là? Eux autres, c'est juste avec les pots, hein, c'est ça? Je pense que oui. Ouais, c'est ça. Mais non, mais... Éteins! Éteins, mon ostie! Parfait. Par contre, on est d'accord pour dire que Zelda au NES est un masterpiece. Mais comment tu peux arriver puis dire que Breath of the Wild c'est pas un masterpiece d'abord? C'est comme le seul jeu qui est à fond dans l'exploration comme le premier, c'est Breath of the Wild. Les autres c'est comme téléguidé un peu, genre avec tel item, tu t'en vas. C'est quasiment des Metroidvania. Je suis comme vraiment surpris. Je suis surpris par les viewers. Quand j'étais jeune, j'ai resté pogné longtemps dans ce donjon-là à cause d'une énigme. J'ai dû me déplacer à la bibliothèque pour aller voir un walkthrough sur internet. Je pensais dans le jeu, la bibliothèque dans le jeu, j'étais comme damn, ok. Pour voir la solution, les temps ont changé. À vous, hein. C'était quoi finalement, mettre un pot sur... Non! C'était ça? C'est ça, genre, je passais l'eau. J'ai jamais dit que c'était pas un masterpiece. Là. Ok, c'est correct. Non, mais j'ai peut-être trop interprété. Ah, fuck. Fuck! Déjà à la fin du donjon? Attends une minute. Ça, tu as un truc pour descendre? Je l'ai pas vu. Ben étrange. Oh, c'est quoi Zelda 2? J'en pense pas grand chose. Ben, le monde dit que... T'sais, admettons les gens qui l'aiment. Ils disent que c'est un bon Zelda justement parce qu'il est difficile pis il est comme un peu à la Castlevania, genre, si tu veux. Asti, ben oui, il y avait une entrée là. What the fuck? Faut le trouver. Oh mon tabarouette. Ah oui, mais attends une minute, ça me revient. Cette pièce-là, je pense qu'il faut aller voir un hibou.
Pis genre, ça dit de tuer lequel dans l'ordre, j'ai un enfant à la main. Faut les tuer dans l'ordre, j'ai un enfant à la main. Faut retrouver le bec. Les plans de piranha, man. Ah, regardons ça, on a écrasé un Goomba. Non, mais pourquoi ça prend 2000 ans? Ça doit être chauve-souris. J'ai pas le bec. Si j'ai pas le bec. Mais, ça sera pas long parce que... Ça sera pas long parce que... Je peux soulever maintenant les trucs. De toute façon, là, je peux pas leur parler. Moi, j'aime bien Spirit Track. J'ai jamais été un fan des... Je me re-téléporte au début, tiens. Je m'étais un fan des Zelda DS. Ah oui, mais c'est ça, là on peut lever ça. Il y a quoi là-dedans? Ah, c'est de l'argent. Ça m'aidera pas beaucoup. Hey, on a 200 pour aller acheter la peine. Quelque chose de bon, peut-être du cash. Absolument rien. Là, on a un problème, si j'ai plus la clé. Fuck! Attends une minute. Il faudrait que je me re-téléporte finalement. Parce que ça, c'est juste un raccourci pour aller de là à là. Le bec, il doit être là. Ah, tu peux te soft-lock? Attends une minute, on s'est comme demi-soft-lock. Attends une minute. Ça, faut que je retourne là. Je retourne dans le truc pour me téléporter. Ils ont toujours été obscurs. La technique de... Oh, quoi, la mécanique du Ocean King? Ça me dit rien, cette affaire. C'est Phantom Hourglass. C'est quoi qu'il y a de spécial, c'est... Bon, attends une minute. Mais non, mais quitte! Tu lâches-les, là! Il est aspiré par les escaliers. Ah! Ok, attends une minute. Chauve-souris. Ah, les qui gosse. Lapin. Faucheuse. C'est pas ça? Attends une minute. Lapin. C'est qui gosse. Ah, sac, j'arrête pas de les péter à côté. Attends une minute, ça marchera pas. J'ai un vase. Mais voyons, qu'est-ce qui se passe? J'ai brise à côté. Ah, on va y aller à l'épée. Ok. Faucheuse. Non, non, fais pas chier, toi. Ah, oh, c'est pas ça. Attends une minute, c'est quoi? Lapin? Attends une minute, c'est quoi j'ai fait? J'ai plus de l'ordre. Attends une minute, j'ai pas essayé l'ordre. Quel ordre déjà? J'ai pas essayé. Cette pièce-là que j'avais de la misère. Non, non, mais c'est ça, c'est juste une énigme dans l'ordre, genre. Juste si je me rappelle. En fait, je vais pas m'en rappeler. Aïe aïe! Lapin. Quel méga! Tout le monde est dans le même coin. Dégueulasse. Lapin en premier. Chauve-souris. Parfait. La clé du boss! Oh oui, monsieur.
Attends une minute, comment c'est ça qu'il me manque une clé? Il est où le coffre manquant? Check ça, il y a une clé, j'ai pas ouvert. Hein? Comment ça se fait? Et t'es où cette clé-là? Oh! Si je suis con! C'est quand j'ai passé là pis j'ai laissé la clé au bord. J'ai jamais trouvé où ça disait l'ordre. C'était avec le hibou, genre dans la pièce qui est là. Attends une minute, on va aller enquêter là-dessus. Je veux avoir mon donjon à 100%. C'est important pour moi. Calique. C'était beau, ça. Voyez? J'ai mal joué. Avec la master, tu peux ouvrir les autres. Non, je pourrais pas ouvrir les autres, mais j'ai laissé la clé de l'autre côté. Ça me revient. J'ai fait, ah oui, on va revenir pour chercher la clé, puis je suis jamais retourné. On s'en fout de là. Ça, ma clé était là. Oh, tabarouette. Ça, c'était épais. Ça, c'était épais, les gars. Oh! Le vrai de vrai gamer. Sauf Keeper! Bête! Merci beaucoup pour ton sub. Maintenant, t'es rendu une vraie gamer. Niveau 2. Merci beaucoup pour le niveau 2. Vrai de vrai gamer. J'ai tout manqué, man. J'ai tout manqué. Limon, t'es nice. Ça vient d'où? C'est Marty qui a fait ça. Lunk. Marty Lunk. Merci beaucoup, Beth. Oh shit! Ça fait qu'on voit tout dans le monde. Bro. Quoi? C'est parce que j'ai manqué le truc? Attends une minute. Faut que je te le refasse? Vistol? Oui? Attends une minute, je suis sur un projet. Le fameux bec. Pas grave. Non. Attends une minute. On va leur faire comme du monde. Un vrai de vrai gamer. Bête! Merci beaucoup pour le sub tier 2. Maintenant, t'es rendu une vraie de vraie gamer! C'est très apprécié. Marty Long. Promesse tenue. Partie longue. Bon, là, attendez une minute. Il me faut des cœurs. Tombe bien, le téléporteur, il est là. Dis-moi pas qu'il n'y a pas de cœur. Pourquoi il n'y a pas de cœur? C'est parce que j'ai déjà pété les vases. Attends, mais on va sortir et on va revenir. On retourne à l'intérieur. On va reloader, j'espère. Ah, là, c'est mieux, ça. Ça, c'est parfait, man. Good. Si tu sautes sur les Gimbas, 100% un cœur. Pour vrai? Je sais pas. On aurait pu faire ça. Mais là, on était tellement proche du... Finalement, regardez, c'était là, hein. Excusez-moi, juste vous montrer, c'était là, je pense qu'il disait. La créature aux grandes oreilles en premier, le chevalier crâne en dernier. Fait que là, techniquement, tu comprends que tu fais le lapin, la chauve-souris, puis la faucheuse. C'était l'énigme du donjon. J'ai envie de me faire chier, là. Ah, ça l'a pas brisé.
On sait jamais, peut-être qu'il va m'attaquer, là. C'est drôle, hein, mais le jeu, vu qu'il est en 3D, là. Des fois, il y a des affaires, tu te dis, c'est vraiment étrange, la physique. J'ai l'impression, des fois, il se promène sur une tuile, tu sais, alors que sur Game Boy, dès que tu touchais la tuile, t'étais genre. Tu rentrais dans le sous-sol. Un lapin Boto. Boto. La créature aux grandes oreilles. Un lapin. Écoute, il faut des énigmes, hein? C'est des énigmes. Tu veux faire. Ah oui, c'est le génie! Faut briser son. Son vase. Génie, je te flotte. Le prince Charles. Attends un peu. Ah, j'ai pas le temps de lire. Génie. Ah, il s'appelle vraiment Génie. Ok. Je me rappelle plus trop c'est quoi qu'ils vont faire. À un moment donné, faut que tu tapes sur son. Oh! Vrai Benito! Gamer. Salut. Je suis malade, voir que tu m'as donné ta cochonnerie. Je vais leur cadre des sades. Benito, merci beaucoup pour ton somme. Maintenant, t'es rendu un vrai gamer! Très apprécié. Écoute, j'espère que tu vas guérir vite. Je peux pas bouger, mais ce n'est pas grave. Ta petite baie ne pourra pas briser ma cette jarre. Même les murs. Mais non, mais il y avait ça dans le temps? Il y avait pas ça dans le temps? Quand j'aurais ma jarre, je serais invincible! Toi. Quoi? Tu as osé? Tu as cassé ma jarre alors là? Je suis choqué. Il y a déjà cette affaire. Ah, comment qu'il me pogne? Je sais pas comment on fait pour éviter. C'est bon. C'est bon, faut juste pas être collé sur lui. C'est un 5 coups, ça? Hostie, je me fais tout le temps toucher. Genre, j'ai fait le plein de vie. Nice. Plus facile d'avoir les 4 pitons au lieu de 2. Ouais, j'avoue, le bouclier et tout. J'aurais peut-être dû le mettre en Eric. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je l'ai pas joué en Eric, je l'ai juste redécouvrir le jeu. Peut-être un jour on va le refaire le jeu. Peut-être un moment donné, il va sortir sur la Switch 2 en 4K, puis je vais dire, hey, je vais jouer en Eric. Tu as obtenu la corne de l'écume. C'est bon, cette affaire-là. Est-ce que c'est de la merde tomber malade en été? Ah, mais ne parle-moi-en pas. Prairie, la prairie t'attend. OK.